enfin, l'ici et l'ailleurs. Par exemple, lors d'un voyage astral, puisque cela existe aussi, qui sont des façons de voyager différemment, peut-être dans l'immobilité physique du corps, mais dans la mobilité heureuse et dynamique de l'esprit. Bien entendu, nous avons des problèmes de vocabulaire quand on met sur l'esprit qu'est-ce que c'est réellement. Est-ce des ressentis, etc. Mais c'est vrai que, par exemple, lors d'un voyage astral, notamment, par exemple, avec une cornaline sur le côté indigo, donc de ce monde, sur le troisième œil, fermer les yeux, se détendre, ne plus bouger et partir vers l'ailleurs, est une façon de montrer que sa peur, on peut la dépasser et de la dépasser bien entendu progressivement. Par exemple, la charnière de la peur se situe entre l'habitude et la connaissance. Quelque chose de quotidien, de routinier. On avance et on progresse. Bien sûr, il y a eu une émotion, il y a eu une adaptation. Il a fallu qu'on avance. Il a fallu. Les verbes falloir, vouloir, pouvoir, si on pouvait les gommer, le monde serait beaucoup plus heureux, je suppose. Mais c'est vrai que avancer est une façon de rentrer en progrès et en cheminement de logique et d'unité avec soi-même, de la même façon que de rentrer en unité et en logique avec autrui. Une démarche de compréhension par rapport à autrui se fait par l'écoute. Souvent, on peut avoir l'impression que l'on parle beaucoup, hélas, mais à d'autres moments, ce sont les oreilles qui bougent. Comment voulez-vous, dans un monde occidental, que les gens se comprennent quand tout le monde parle en même temps, hélas? Par exemple, un café philosophique peut avoir sa notion de café philosophique à partir du moment où existe une écoute. 50 personnes ne peuvent pas parler en même temps. Une personne parle, 49 écoutent. À leur tour, ils exprimeront une idée sur le thème précisé, d'accord, mais seulement à leur tour. L'animateur, en ce sens d'un café philosophique, est là pour prévenir les temps de parole et éventuellement de limiter le temps de parole aussi pour pouvoir avoir une équité, une justice, entre guillemets, du café philosophique. Nous étions le 1er mai 2006 à Salon de Provence, à la campagne. Voilà, aujourd'hui, la patrouille de France s'est tue. C'est une bonne chose. C'est la fête du travail, donc on chôme. Comme un dimanche, pourquoi pas peut-être, on regarde en arrière un petit peu et on regarde ce qu'on a fait dans la semaine. Mais pour regarder ce qu'on a fait en arrière, il faut savoir s'arrêter. Voilà, donc un compromis entre la psychologie, le social, l'historique et l'économique pour l'ici, s'adapter dans le présent, est une façon de voir aussi le monde, une façon peut-être cataloguée comme philosophique, certes, mais une façon de voir le monde serein, plutôt heureux, plutôt en bien-être.
Voilà, je vous remercie de l'écoute. Et puis, pourquoi pas avoir un peu votre sentiment ou vos avis sur les thèmes abordés lors de ce film. Pourquoi pas vous rencontrer un jour.